Bonjour à tous, bonjour à la team Biquette, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ça fait super plaisir de vous retrouver, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou sur mes autres chaînes. Merci à vous d'être là, de me suivre et de me soutenir. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur le jeu Monster Never Cry, jeu sur lequel j'ai déjà fait quelques vidéos, donc n'hésitez pas à aller voir sur mes playlists du jeu. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur cette vidéo pour vous montrer la première tier list du jeu, donc du début du jeu, bien sûr. Ça évoluera avec le temps, vous aurez aussi de nouveaux persos. Donc c'est vraiment le début du jeu. Donc nous allons voir ça ensemble. Donc là, malheureusement, j'ai un problème de compte, donc j'arrive pas à lier mon compte, donc à récupérer mon compte, donc je suis un peu dégoûté. Donc je vais vous montrer les galeries comme ça directement. Alors dans la galerie, vous avez plusieurs factions, mais aussi des grades. Vous savez ce que Elfir, donc c'est les plus gros grades. Vous avez des Legendary, des épiques, des élites et par défaut. En sachant que les épiques, ce sont aussi des 4-5 étoiles. Là, 3 étoiles. En fait, quand vous les avez, les jaunes comme ça, ils sont forcément même étoile pour tous, 5 étoiles. Voilà. Mais après, les Elfir, vous pourrez les monter plus haut en niveau. Voilà. Alors, nous allons parler de la tier list. Donc, nous allons commencer en sachant que vous pouvez mettre une team de 5. Je vais vous commencer par la tier list B. Ceux qui sont en dessous, vous comprendrez bien qu'ils ne sont pas ouf. Alors, le premier, nous avons Frogashi. Alors, trouver Frogashi. Frogashi, voilà, c'est lui. Donc Legendary et c'est de couleur rouge. Là, on va en couleur rouge. Donc c'est Legendary. Donc c'est lui là. Hein. Ah, c'est lui. Ça voilà. C'est lui. Donc lui il est classe B. Cela pourrait améliorer à l'avenir à mesure que de plus en plus de personnages seront dans le jeu. Mais pour l'instant, cette chose est inutile. Donc, vous voyez, pas terrible, même pour un classe B. Après, en classe B, nous avons Aborim. Oh. Ah, c'est pas classe. Hein. Aborim avec un H. Ça va être pareil. Arborim, c'est même pire, c'est un épique. Donc épique de classe verte, un DPS assez solide et le meilleur épique que vous pouvez obtenir. Donc bien pour le début. Voilà. Après, nous avons le dernier de la tier list B, c'est Kingtomaton. J'ai vu avant. Il était là. Kingtomaton. Voilà, c'est lui. Donc un légendaire aussi de classe jaune, un grand coup critique et une défense, mais il a peu de mal. Donc il est pas mal pour en tant que tank et coup critique, mais après, pas ouf. Donc voilà. Donc ça, c'est les trois de la tier list B. Donc. Après, nous passons à la tier list A. La tier list A, nous avons Sif. Sylph. Alors, je l'ai vu tout à l'heure. Elle est là, Sylph. Voilà. Alors, en sachant que dans la tier list S, vous en avez 5. Et dans la tier list A, vous en avez 3. Donc, ceux de la tier list A, vous pouvez commencer à les utiliser. À les monter bien en niveau. Parce que tier list S, vous n'aurez pas forcément tout le monde. Donc elle, sa liste A, donc Sylphie, donc couleur verte, son debuff de guérison est bon contre les ennemis qui guérissent et ont des soutiens, mais assez déprimant comme un DPS, jusqu'à ce que vous le montiez. Ok, donc au début il n'est pas terrible, mais au fur et à mesure que vous allez monter, il pourra vous aider, et surtout à enlever les heals des autres. Donc ça, c'est un peu de attaque soutien, voilà. Après nous avons Eevee. Juste là. De classe S aussi. Avec couleur vert.
bien contre les ennemis qui sautent sur votre première ligne et ont de grandes bouscules pour vos personnages, DPS. Néanmoins, Siren donne un meilleur soutien. Ok, donc là, c'est plutôt du soutien. Pourtant, c'est avec la smash. Et vous aide souvent avec des buffs. Donc, à voir. Et après, nous avons gardien 1 en classe. Je crois que là, c'est pas sûr que c'est dans l'ancien. Gardienne. Non, mais c'est que j'ai pas tous les noms. Et comme je l'ai dit, j'ai pas le... un gardien 1. Voilà. Donc, c'est classe. Classe A, voilà, donc couleur jaune. Le seul personnage est épique de niveau A pour une raison facile à obtenir et par défaut un enracinement de 3 secondes. Donc il bloque les ennemis pendant 3 secondes. Voilà. Bon, c'est, je les trouve pas ouf ces classes A, mais ils sont classés classe A parce qu'ils sont plutôt utiles et faciles à avoir. Voilà. Maintenant, la tier list S, donc ce sont les meilleurs pour l'instant du jeu. Donc à essayer d'obtenir et à monter si vous pouvez. Alors là, le premier, classe A, c'est Loki. Mais il est même pas Elfir, il est juste légendaire, si je me souviens bien. Loki, voilà. La petite demoiselle qui est là, qui est classe jaune. La meilleure DPS que vous pouvez utiliser avant d'obtenir des personnages Elfir forts. Voilà. Donc assez intéressant à avoir. Après, nous avons... Horace. Et j'ai l'impression, ouais. Donc Horace qui est là, grande synergie avec Elton et grande compétence globale de soutien. Donc si vous mettez avec Elton, ça peut être assez intéressant. Justement, vous avez Elton, Adilton qui est là de classe rouge, qui vous aide avec Horace. Bénéficie de la conversion HP Shield Horace et peut ensuite obtenir des barres HP double efficaces, solide DPS et soutien. Après, nous avons Siren en classe A, en classe S, pardon. Et là, il travaille aussi très bien avec Horace car elle peut guérir toute la santé manquante relative rapidement. Donc, une super heal pour le début. Et pour finir, la liste S, Garnius. Garnius qui est là. Chute un peu le Loki en ce qui concerne les DPS au début, mais rattrape les ascensions. C'est-à-dire qu'il est un peu lent à la détente pour le DPS, mais après il monte plutôt rapidement. Donc comme vous le voyez, la tier list se compose principalement des Legendary, ou en fait des épiques qu'ils ont juste après. Donc ça veut dire que en fait actuellement les Elfir sont largement au-dessus, ils sont même pas classés. En fait il faut avoir les Elfir pour pouvoir jouer et monter, donc si vous les avez, montez-les à fond. Voilà. Pour l'instant. C'est la petite tier list du jeu. Voilà. C'est la tier list des premiers personnages à essayer d'avoir à monter dans le jeu quand vous les aurez. Voilà. Je vous ferai... Bien sûr, je vous ferai une autre vidéo où je vous montrerai la tier list des meilleurs personnages. Donc ça, c'est la première tier list du jeu. Et dans une autre vidéo, je vous montrerai la meilleure tier list du dé avec les meilleurs personnages possibles du jeu. Dont principalement des Elfir. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker la vidéo et à cocher la cloche. Allez, bonne journée à tous et bonne game. Ciao.